Grand frère Laspère, monsieur le maire, merci pour ta bienséance. Hommage à toi, monsieur le maire. Koraga ninga se koraga, sumarado ye koraga ninga se koraga, cheturudo ye koraga ninga se koraga, somando ye koraga ninga se koraga, seye. Tanti Ami Bagondo, ta fille chérie, Sila. Quelqu'un qui fait beaucoup pour sa commune. Quelqu'un qui fait beaucoup pour les Ivoiriens. Quelqu'un, les gens même se moquent de lui. Mais ça a été toujours la marque des grands hommes. Quelqu'un qui est un disciple du président Ouattara. Le président Magellan. Quand le président Ouattara a commencé son bilan, on l'a appelé ici de tous les noms. On l'a même appelé Magellan. Mais quand tu crois en ton idéal et que tu continues ce que tu dois faire, à un certain moment, tes détracteurs viennent à dire « Mais ah, en fait là, c'est nous-mêmes qui nous moquions de nous-mêmes. » Je parle de quelqu'un qui est très humble et il s'appelle Ouattara Lansina. Beaucoup le connaissent en tant que Laspère. C'est un monsieur, sans rentrer dans la culte de sa personnalité ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un que je connais personnellement parce que c'est la première personne à travers qui j'ai pu encore avoir plus de goût pour le combat que je mène. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse et ce n'est pas ça qui va m'empêcher de lui dire la vérité. Et vous savez que sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, on n'est pas là pour faire dans la dentelle. Nous sommes en juin 2024. Vous savez que les élections des mairies se sont déroulées en septembre 2023. Ça fait à peine 9 mois. Et nous avons pris le temps, chaque fois, d'observer les personnes qui veulent travailler véritablement pour leur population. Et nous avons compris que ce monsieur, Laspère, qu'on appelle Honorable Laspère, est en train de faire un travail plus qu'exceptionnel dans la région de Korogo. Et il est important qu'on puisse le dire pour que lui-même s'en rende compte et pour qu'il double le travail. Parce qu'il est un proche du président de la République. En plus d'être le maire député de Korogo, il est le conseiller technique du président. À lui, Laspère, il y a certaines erreurs qu'on peut pardonner aux autres, mais lui, on ne va pas lui pardonner ça. Parce que les actions que lui pose là, ça va forcément avoir un impact même sur le chef de l'État. Et donc en 9 mois, le monsieur, sur cette même plateforme, on avait dit ici, je me souviens, les populations de Korogo, que votre mairie ressemblait à un poulailler, etc., etc. Mais sans taper des tambours et sans faire de bruit, Laspère a offert une des mairies les plus exceptionnelles à une ville de l'intérieur du pays qu'est Korogo. Si je vous dis le prix de la mairie, je serai en train de vous mentir. Mais en tout cas, si ce n'est pas milliards qui est rentré dedans, en tout cas, c'est beaucoup d'argent. Ça seulement là, vous-même allez et regardez l'image et regardez le travail qui est fait. Mais quelqu'un qui tient compte des critiques, quand il était là, il n'était pas là, la mairie là était là. Hein? Mais quand il est venu en 9 mois, là, il dit là, déjà l'image de notre ville, là, il faut qu'on change à travers même déjà la mairie. Et ça, il faut lui tirer le chapeau pour le travail exceptionnel qui a été fait. Et on a toujours continué à le suivre. Et on remarque qu'en avril 2004, chaque fois qu'il y a des cérémonies religieuses, chaque fois qu'il y a des cérémonies qui réunissent des populations, il est très proche de sa population. Même aujourd'hui matin, j'ai appelé à Korogo. J'ai dit, mais l'aspect est la même chose. Vous pensez quoi de lui? Donne longue vie à Laspère, qui Dieu auprès de nous, que Dieu lui donne longue vie,
pour tout ce qu'il fait pour nous pendant les fêtes. Que Dieu donne longue vie à sa maman. Et la population me dit, ah, l'aspect là, depuis qu'il est venu, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans leur français, c'est nous faux là. Depuis les années 80, nous n'avons jamais vu un maire qui est aussi proche des populations comme l'aspect. C'est un qui m'a dit ça. Je lui ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Il dit, ah, mais aujourd'hui là, il n'y a aucune action sociale qui se passe sans qu'on ne voit l'aspect. Si on ne le voit pas, on voit ses actions. Et la personne a dit comme ça que l'aspect là, c'est comme un grand vent. Que même de loin là, tu sens quand ça souffle. Il dit vent là, ça veut dire quoi? Dans leur langue, c'est nouveau là. Ils disent que c'est un bonheur que tout le monde ressent. Il dit ok. Et il y a un là, lui dit que le premier député de RDR de Korogo là, qu'il s'appelait Souleymane Sakourou. Que l'ASPR n'oublie pas les anciens combattants. C'est quoi on appelle anciens combattants au RDR? Ce sont nos militants qui ont combattu aux heures chaudes là. C'est eux qu'on appelle les anciens combattants. Il dit, c'est un monsieur qui n'a pas oublié les anciens. Les anciens en tant que des compagnons de lutte politique, mais des anciens aussi en tant que les notables de la ville. Il sait être humble. Mais il dit surtout, il est en train d'apporter des actes de développement qui aident beaucoup la région de Korogo. Ils disent par exemple, en avril là, il a apporté 60 000 tonnes de riz. Je dis bien, 60 000 tonnes de riz pour aider la population de Korogo. Toi tu es devenu maire, même si c'est l'argent de la mairie que tu as pris pour faire ça là, on ne va pas te dire que tu as fait du mal. Il y a beaucoup de maires qui, une fois élus, qui disparaissent, on ne les voit pas, qui sont là pour prendre les taxes, pour vendre les terrains, mais lui, il apporte le peu qu'il a. Ça, c'est des choses, il faut s'en souvenir et pouvoir vraiment l'encourager. Il y a un qui m'a dit que, mais que toi, tu ne regardes pas la télévision. Il dit, moi, je n'aime pas trop regarder la télévision comme ça. Il dit, bon, il faut aller regarder. Que la fête de Tabaski, là, l'ASPR a envoyé 100 béliers à Korogo, 25 bœufs, 150 tonnes de riz, 50 tonnes de pâtes alimentaires pour que la population de sa commune puisse bien fêter. Et ils disent, oh, tu es chrétien, oh, tu es musulman. Oh. Non, lui n'a pas le temps pour ça. À chaque occasion, il est là pour sa population. Ils disent vraiment au niveau du social, aujourd'hui, ils sentent qu'il y a un très grand changement. J'ai dit, ok, ça c'est bien. J'ai dit, mais et au niveau des activités culturelles et sociales? Ils disent, que ça même là, qu'aujourd'hui, grâce à l'ASPR, il y a beaucoup d'activités culturelles. Les gens aujourd'hui se sentent à l'aise. Et aujourd'hui, là même là, les gens même organisent des choses, des compétitions de maracana, de football. C'est lui-même qui est le parrain. Il dit, l'année dernière, là, il a organisé maracana des jeunes. Il était là, il était le parrain. Ils disent qu'il y a beaucoup d'activités sociales. Et on me dit aussi que le service social de la mairie de Korogo, là, l'ASPR a les portes ouvertes 24 heures sur 24. C'est qu'on appelle petit jeton, là. Ça tombe. Ça y est, je suis malade. Je n'ai pas pu inscrire mon enfant. Ah, ça là, c'est pas bon aujourd'hui. Hier est mieux qu'aujourd'hui. Des trucs comme ça, là. Ou bien voilà, je suis malade. Il y a beaucoup de malades aujourd'hui qui disent vraiment le service social de la mairie n'a jamais été aussi efficace que sous l'époque du maire Ouattara Lansina, que nous appelons l'ASPR. Si on dit tout ça là, c'est que selon moi là, si on devrait faire aujourd'hui une compétition là, il doit être élu comme le meilleur maire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'un maire qui se souvient de sa population, un maire qui pose des actions concrètes, c'est ça qu'on appelle d'abord un maire. Et c'est important. Et je lui ai dit, mais à part ça, est-ce qu'il fait d'autres choses? Il réitère ses actions de charité à l'endroit des populations avec la traditionnelle distribution de vivres à la veille de la fête de la Tabaski à Korogo.
Lassine Ouattara, dit l'ASPR, député maire de Korogo, conseiller technique du président de la République, a au nom du chef de l'État Lassine Ouattara sillonné plusieurs quartiers de Korogo pour distribuer 100 béliers, 25 bœufs et du numéraire. Des dons destinés aux chefs de canton, chefs de village et de quartier, surtout aux familles vulnérables. Chaque année, il y a des béliers comme ça. En retour, je lui fais des bénédictions. Et des bénédictions au président de la République. Depuis l'absence du vieux Cordo, vraiment, je n'ai pas senti son absence. Grâce à eux, grâce au président qu'il a fait. Merci de toujours se rappeler de Feu Souleymane Sakurou, notre père, le premier député RDR de l'histoire de la Côte d'Ivoire. 24 heures plus tard, le député maire Lassine Ouattara remet le couvert avec la distribution des sacs de riz aux secrétaires de section, aux femmes et jeunes du RHDP, ainsi qu'aux imams et musées de la ville de Korogo, sans oublier les enveloppes. Tous ont traduit leur reconnaissance aux donateurs. Quand tu manges le fruit du grand arbre, il faut dire merci au grand vent. Le maire est donc le grand vent. Nous prions tous pour le pays, nous prions pour le chef de l'État, nous prions pour l'ASPR. Nous devons, en tant qu'imam, travailler main à main, de sorte que la paix déjà acquise soit une paix véritablement durable. Au troisième jour, ce sont pratiquement toutes les couches sociales, avec une forte présence des femmes, qui avaient rendez-vous avec Lassine Ouattara à sa résidence pour récupérer des kits alimentaires composés entre autres de riz et pâtes alimentaires. Je le remercie beaucoup, beaucoup pour tout ce qu'il fait pour nous et pour tout ce qu'il fait pour la ville de Korogo, surtout pour la ville de Korogo. La fête, on s'est gâté même. On a déjà tout, le riz, la viande, tout. Vraiment, ça serait un bon rendez-vous. Au bout de toutes ces actions, le maître mot du maire, Lassine Ouattara, reste la solidarité. La population me charge de vous dire merci, monsieur le président. Que Dieu vous donne longue vie, santé. Surtout, si vous avez de la santé, on peut encore aller en 2025. Le souhait de tous les Ivoiriens, que vous soyez encore là au 2025, Inch'Allah. Sans oublier notre maman, maman Dominique Ouattara. La population vous dit merci. Merci pour tous les efforts qu'elle fait pour nous. Au total, ce sont une centaine de béliers, 25 bœufs, 150 tonnes de riz, 50 tonnes de pâtes alimentaires, 15 000 kits alimentaires et du numéraire qui ont été distribués par le député maire de Korogo afin de permettre aux bénéficiaires de célébrer la Tabaski 2024 dans de meilleures conditions. Ils disent que depuis qu'il est venu là, que souvent eux-mêmes ils se moquent, que comment quelqu'un peut aller peindre bois si ce n'est pas ce qu'il nous faut. J'ai dit, mais c'est ça qu'on appelle action d'embellissement de la ville. J'ai dit, même chez les Blancs ici, on fait ça. Ils disent qu'eux le voient, ils prennent des gens pour peindre les bois, là, orange, blanc, vert. J'ai dit, mais quand c'est fait là, est-ce que c'est joli, mais c'est pas joli? Ils disent, c'est joli. Il dit, bon, c'est ça qu'on appelle action d'assainissement de la ville. Tout ça, c'est pour rendre la ville belle. Et ils disent encore qu'ils mettent encore les enseignes lumineuses et que les rues sont nettoyées. Il dit, bon, tout ça, c'est pour la sécurité, la santé des populations. C'est ça le rôle d'un maire. Rendre le cadre de vie des populations acceptable et même, je dirais, meilleur. Et ça, ça doit se saluer. Et là, bizarrement même, quand les gens parlaient, m'ont envoyé une vidéo. Et dans cette vidéo-là, l'ASPR, il voit des gens en train de construire une maison à Korogo. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont venus avec leur sable, ils ont versé ça dans le caniveau. Et puis, ils veulent continuer. Il est descendu, il a rappelé, il a fait un acte de civisme en rappelant à ces populations-là que non, dans ma commune-là, toi, ton bonheur ne va pas empêcher le bonheur des autres. Il leur a dit, vous arrêtez les travaux. Là où le sable doit être mis, c'est là-bas que ça doit être mis. Votre travail-là, ça va continuer. Mais tant que vous ne respectez pas le droit de tout le monde, ça ne continuera pas. C'est ça aussi le rôle des maires. Être proche de sa population, sensibiliser sa population, moraliser ce qu'il faut moraliser pour que la vie publique puisse être saine. Et ça, c'est très important. Il a bien compris son travail et il l'a fait. Et c'est ce que nous demandons à tous les maires. Allô? Je vais faire arrêter les travaux. Et puis vous n'avez pas. Et puis vous allez voir ce que vous allez faire. Vous allez payer ça avant de venir.
C'est pas normal. C'est pas normal. Ici, à Okati, les anciens, viens faire arrêter les travaux. Et puis, ils vont payer une amende avant de commencer les travaux. Avoir tout sous traité, tu vois. Avant de construire, et puis de là, ceux qui ont fait les dégâts sur le bouton là, ils vont payer avant de continuer. J'ai dit, ils ont fermé le caniveau avec la terre. J'ai dit, envoie quelqu'un ici chez moi, on va venir montrer. Et viens chez moi à la maison, l'équipe va venir chez moi, je vais l'indiquer ici, ils vont faire les télétravaux. Pour moi, si aujourd'hui il y avait un concours des maires, là, je l'aurais élu comme le meilleur maire de la Côte d'Ivoire à cause d'abord des actions de développement et des actions sociales. Ça, c'est selon moi. Hein. Les actions sociales qu'il fait, là, j'aurais mis ça en avant. Parce qu'on ne peut pas finir de les quantifier. On ne peut pas finir de les dire. Quand partout où tu vas, chacun te dit pour lui. Chacun dit ça. Et ça, c'est important qu'on dise ça aux autres maires. Mettez-vous au travail. L'aide à la scolarisation. L'aide aux soins des populations. Ça fait que vraiment... Il a beaucoup fait. Et grâce à son action de maire, il fait aussi la promotion même du président Alassane Ouattara. Et ça, on ne peut pas demander mieux que ça. Être capable d'aller au-delà de ce que tu as à faire, aller au-delà de son devoir pour faire la promotion même des actions du président de la République, c'est le summum. Et voilà, il y a quelqu'un qui dit, j'ai vu la vidéo même. Voilà. Moi, je n'avais pas vu la vidéo, sauf ce matin-là, quand on a appelé les gens-là. C'est là qu'ils m'ont dit, voilà. J'ai dit, ok. Et nous sommes très fiers de lui. Cher honorable, l'ASPR, continuez ce travail. Les populations du Nord sont fiers de vous. Et si vous continuez à travailler comme ça, si les gens d'Odiné ne veulent rien faire là, on va vous prendre comme maire d'Odiné de Korogo. Vous allez enseigner aux maires là comment on travaille. C'est très important. Et donc, je tenais à le dire. Et nous attendons aussi les témoignages même des populations. Parce que s'il y a des gens qui peuvent contester ce qu'on a dit là, venez contester en direct. Parce que quand on parle là, nous on ne fait pas un filtre. On n'a pas fait ça pour faire plaisir à l'ASPR. On n'a pas fait ça pour faire plaisir aux populations de Korogo. On a fait ça pour dire la vérité, pour encourager les autres maires. Les maires qui travaillent là, il faut aussi qu'on parle d'eux. Pour que ça donne envie aux autres de travailler aussi.